Écoutez-moi, je sais que vous avez un téléphone avec vous. J'ai raison, hein? Alors très très important, ne l'utilisez pas. Fermez-le. Encore mieux, jetez-le. Oui, oui, jetez-le. Je suis pas encore tout à fait à l'aise avec ça. Pour dire vrai, je suis pas à l'aise du tout. Je me sens comme coincé. Surtout quand je cours. Oui, oui, oui. En plus, mes jappements sont pas très convaincants. Mais ils se doutent vraiment de rien. J'ai tout de même fait du progrès avec mes battements de queue. Non, ça a pas l'air trop mangeable, ça. Je me demande ce qu'ils mettent là-dedans. Des fois, j'oublie que j'ai une queue. Quand je la vois, je me rends pas compte que c'est la mienne et qu'elle est attachée après moi. Mais je travaille là-dessus. Elle, c'est la maman. Une pharmacienne. Lui, le papa, un genre de comptable. Et puis il y a Zoé, leur petite fille. C'est elle qui m'a choisi. Monsieur Pug. Zoé s'occupe bien de moi. On prend une marche chaque jour. J'aime ça sortir et prendre l'air. Mais la laisse, ça non. Je supporte pas d'être contrôlé de même. Tout est une affaire de contrôle. Et ça cause toujours des problèmes. Je fais tout ce qu'il faut faire, mais les biscuits, je m'en méfie. On sait jamais. Ils peuvent contenir des micropuces ou un GPS ou quelque chose d'autre. Zoé, hein, Zoé m'aime vraiment beaucoup. Elle me trouve beau. C'est la première fois qu'on me dit que je suis beau. Je dors mal. Cette sonnerie, toujours cette sonnerie. C'est le réseau qui essaie de se connecter. Oh, j'ai faim. Il n'y a pas d'heure pour une bonne tarte avec de la crème glacée. Je sais, le sucre, c'est mauvais pour ma santé. Surtout que j'ai arrêté de prendre mes pilules pour mon cholestérol, mes brûlements d'estomac et mes problèmes de peau. J'ai besoin de me calmer. Pour ça, je fais de l'origami. Oui, oui. Origami. Juste le bruit du papier, ça me relaxe, ça me garde concentré. Je plie, et je plie, je plie, je plie, je replie, et je replie. Ça bloque les ondes négatives. Et ça m'aide à les oublier. Le monde du réseau. Écoutez-moi, je sais tout, tout. Ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent faire, la conspiration, je sais ce que vous... Je vous explique. Je faisais mon travail, comme tout le monde, au bureau de poste. Je triais le courrier. Zone 23, je trie. Faut rester concentré, pas faire d'erreur. Zone 47, je trie, je retrie. Zone 51. Je sens la pression monter. C'est dur, j'ai hâte. Vraiment hâte à la pause où je vais enfin pouvoir respirer et relaxer avec mes collègues, mais... Regardez par vous-même. Personne ne se parle. Personne ne s'écoute. Ils ont tous la tête dans leur écran, en train de prendre leur message, de texter. Et là, ils se mettent à me regarder. Mais pourquoi ils me regardent comme ça? Ils se moquent de moi? Ah, mais je sais, c'est quoi le problème? Je suis le seul à ne pas recevoir de message. Donc, je m'achète un téléphone. Puis, durant les pauses, je fais semblant de prendre mes messages. Mais... qui voudrait m'envoyer un message? Un message? Je reçois un message? Du réseau. Et c'est à ce moment-là que j'allume, que je comprends tout. Les téléphones intelligents, tout le monde en a un. Les adultes, les enfants, les gens dans les villes, les gens dans les jungles, dans les igloos, dans les avions, dans les sous-marins, vraiment tout le monde en a un. Et maintenant, c'est trop tard. Le réseau va utiliser ses micro-ondes pour prendre le contrôle de nos cerveaux et comme ça, il va pouvoir s'emparer du monde. C'est dangereux dehors. Les parcomètres, les feux de circulation...
Ils ont des caméras. Ils surveillent. Je vais plus travailler. J'ai peut-être imaginé tout ça que je me dis. Puis tout à coup... Des chiens. Il y a des chiens. Partout. Chez moi. Plein de petits stupides chiens. Mon appartement est infesté. C'est clair. Le réseau les a envoyés pour m'espionner. Ils ont peur de moi. J'en sais trop. J'ai un plan. Un plan génial. Je sais comment faire pour les déjouer. Ça marche. Tout fonctionne comme sur des roulettes. Du moins, c'est ce que je pense. Oh non! Ils m'ont repéré. Je passe 3 jours à errer dans les rues. Nulle part où aller. Pas savoir quoi faire. Je me fais ramasser. Normal. Pas de collier, pas de médaille. Je me demande combien de temps je vais pouvoir supporter ça. Quand arrive Zoé, c'est mon jour de chance. Oh. C'est sûr, une vie de chien à ses mauvais côtés, c'est pas toujours drôle. Mais au moins comme ça, le réseau peut pas me trouver. Oh. Oh non. Écoutez, j'avais pas le choix, je devais sauver Zoé. Mais qu'est-ce que... Non, ça se peut pas. Écoutez-moi bien, je vous le dis pour une dernière fois, n'utilisez pas vos téléphones. M'avez-vous compris? Débarrassez-vous-en. Détruisez-les avant qu'ils vous détruisent. Y a-t-il quelqu'un qui m'écoute?